excuses d'un certain nombre de personnalités que nous avions conviées ce soir à écouter Pierre Servent. Je vous transmets les excuses de monsieur le député Jean-Luc Drapeau qui est souffrant ce soir et qui devait être des nôtres. Je vous transmets les excuses pour les empêchements qu'ils ont eu d'être avec nous de monsieur le président du conseil général des Deux-Sèvres, de madame la maire de Niort, de monsieur le député Grelier de Bressuire et d'un certain nombre d'autres personnalités, ainsi que celle de monsieur le maire de Saint-Mexan, qui ne pouvait être avec nous, et de monsieur le maire de Salles. Voilà, je devais me soumettre à cette intervention de politesse qu'il me semble important de vous dire. Et je vais maintenant laisser la parole donc à mon ami Pierre Servent, non sans vous avoir dit comment pour nous, à l'espace Saint-Hilaire, et pour moi personnellement encore plus d'une certaine manière, en invitant Pierre Servent, j'ai souhaité, nous avons souhaité ensemble, au fond faire quelque part une démarche de paix. Ça vous semble peut-être paradoxal, mais il me semble que nous autres citoyens, citoyens de plus en plus citoyens du monde, nous avons besoin de prendre en considération avec réalisme les conditions dans lesquelles vit notre monde, qui ne sont plus les conditions d'hier, mais qui restent des conditions difficiles. Pierre Servent, en effet, nous en parlera, et que la paix du monde, qui est ce bien si précieux, sur lequel, au fond, nous nous attardons peu parce que nous sommes maintenant, en quelque sorte, tant mieux, habitués à vivre dans l'Europe de la paix, qui vient de recevoir d'ailleurs pour cela le prix Nobel de la paix. Et nous aurions tort, sans doute, d'oublier combien le monde traverse de moments difficiles et parfois avec des grands risques pour la paix. Avec de grands risques pour la paix. Ça n'est pas du tout pour vous inquiéter que je le dis ça. C'est parce que les vrais artisans de paix sont ceux qui savent, en effet, conjuguer le réalisme et l'utopie. L'utopie, c'est ce qui, en effet, nous mobilise, nos idéaux d'humanistes, nos idéaux de croyants, nos idéaux d'hommes et de femmes de paix soucieux de l'avenir de leur planète pour eux et pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et en même temps, nous avons le devoir de nous informer sur la situation du monde. Nous en avons d'autant plus le devoir que nous sommes dans ce monde de la mondialisation dont nous parlons sans arrêt et qu'en effet, elle n'est pas sans intérêt important pour nous tous, sans richesse potentielle énorme, mais aussi, elle n'est pas sans risque si nous ne savons pas construire le fameux vivre ensemble mondial qui sera en effet la condition de la paix. Nous pouvons y arriver. Cela suppose que nous nous informions. Et c'est pour cela que nous sommes heureux ce soir d'avoir avec nous certainement un bon spécialiste et un des meilleurs spécialistes des questions de guerre pour que nous soyons meilleurs artisans de paix. Voilà, je laisse la parole à mon ami Pierre Servent. Merci Jean-Claude. Bien, je vais... Je vais parler finalement, je trouve que je suis un peu loin de vous, mais comme c'est filmé, je vais rester là et puis je vais essayer de réduire l'espace qui nous sépare. Bon, c'est toujours à la fois sympathique et compliqué d'être présenté de cette façon-là, surtout quand tu dis que je suis un spécialiste de la guerre, que je vois le nombre de citations du général Thuet, d'un certain nombre de camarades d'actifs qui sont là et qui ont pas mal de bananes sur leur VM ou leur croix de guerre des TOE, et puis il y a des grands anciens également qui sont là et qui ont connu les guerres d'hier. Mais bon, puisque je suis là, ben, je vais me lancer
et essayer donc de vous parler de ce thème que j'ai appelé « Guerre, mensonge et vidéo », qui est en fait un chapitre que l'on retrouve dans un de mes livres. Le propos, c'est quoi? C'est d'essayer de peut-être vous sensibiliser, si vous ne l'êtes pas, peut-être vous donner des exemples concrets de la façon dont la bataille de l'image peut jouer un rôle extrêmement important dans les conflits qu'on dit asymétriques. Ces conflits bâtards, indirects, l'Irak, l'Afghanistan, conflits dans lesquels vous avez des armées de pays démocratiques en uniforme qui sont confrontées à des combattants indirects que l'on appelle terroristes, guérilleros, enfin, tout ce que vous voulez, et qui vont assez souvent intégrer dans leur manœuvre la manœuvre médiatique, la manœuvre de l'image, pour essayer de reprendre l'avantage sur un terrain où ils ne l'ont pas sur le plan strictement militaire. Donc c'est de cela dont je vais essayer de vous parler, très classiquement en abordant successivement trois points. Un petit point d'histoire, d'abord pour simplement nous rappeler que ce n'est pas complètement nouveau, même si les grandes évolutions technologiques aujourd'hui, Internet, les moyens de communication, modifient quand même énormément la donne avec une capacité de capter l'image, de la retransmettre à travers le monde. Donc c'est un outil encore plus fort, ce qui fait que je pense que Internet est une arme de guerre potentielle. On l'a vu encore récemment sur la Libye avec l'utilisation d'un film hostile à l'islam, comment ça peut être utilisé, récupéré, instrumentalisé. Donc un petit rappel historique. Le deuxième point, j'aborderai des situations très concrètes que j'ai pu analyser, examiner, où l'arme médiatique est utilisée dans les guerres asymétriques d'aujourd'hui, très, très concrètement, pour illustrer un propos que je tiens souvent, qui est que je considère qu'un spécialiste de la guérilla aujourd'hui, très souvent, a dans une main une Kalachnikov et dans l'autre une caméra vidéo. Ça n'est pas qu'une image. En Afghanistan, j'allais dire sur des corps de talibans, quand on pouvait en trouver, on pouvait trouver une clé USB ou des outils de communication très modernes à côté de l'armement classique. Et je vous donnerai des exemples très très concrets où on voit bien que la manœuvre de l'image, la manœuvre destinée à développer une impression psychologique sur les opinions publiques notamment, est complètement intégrée dans la manœuvre militaire. En tout cas du côté du combattant indirect, du combattant asymétrique. Et puis troisième point, j'essaierai de vous dire ce que je pense de où en est la France par rapport à ces sujets. Est-ce qu'on est bien préparé à ce type de combat, de bataille de l'image? Comment ça se joue aujourd'hui au plus près de nous? Je rappelais tout à l'heure ce qu'on déjeunait ensemble, on dînait ensemble. Mohamed Merah, par exemple, filme toute son action. Donc il a une caméra sur le ventre. Et tous ces actes d'assassinat sont filmés pour une raison bien précise. J'y reviendrai et j'essaie de vous dire pourquoi je pense qu'on n'est peut-être pas complètement opérationnel encore sur ces questions en France. Je pense qu'il faudrait qu'on monte en puissance sur la compréhension, la préparation, l'organisation de riposte, ou en tout cas de prise en compte de ces éléments-là. Alors, un peu d'histoire. Regardons par exemple rapidement Bonaparte, alors qu'il n'y avait pas ni Internet, ni la vidéo, mais qui a intégré très très tôt dans son rôle de général ce qu'on appellerait aujourd'hui la propagande, en tout cas la capacité à mettre en image, alors à travers des gravures, à travers des petits ouvrages à sa gloire, mais ça lui permet quand même de transformer une campagne plutôt funeste, la campagne d'Égypte, qui se termine quand même assez mal, puisqu'il est obligé de quitter précipitamment son armée, de l'abandonner, elle va être capturée par les Anglais, et finalement il en sort quand même des éléments assez fastueux pour la saga Bonaparte. Donc vous avez des personnages qui savent, qui comprennent que faire c'est bien, mais faire comprendre, faire voir, faire sentir, c'est encore mieux, et que si ça peut être très éloigné de la réalité, c'est pas grave si ça permet de construire un destin et d'avancer. Du Vietnam,
Vous avez une offensive pendant la guerre du Vietnam versus américain. Il y a une grande offensive qui est très connue, qui est l'offensive du Tet, qui doit se situer en janvier 68. Donc c'est une grande offensive des combattants vietnamiens communistes, notamment dans Saïgon. Donc, et cette opération où des commandos répartis un peu partout dans la ville vont s'attaquer évidemment aux forces sud-vietnamiennes, mais également aux forces américaines, y compris à l'ambassade des États-Unis. Et d'ailleurs, certains commandos nord-vietnamiens parviendront à pénétrer dans l'enceinte, pas dans l'ambassade, mais dans l'enceinte de l'ambassade. Cette opération-là du Nord-Vietnam sur le plan strictement militaire est un échec majeur, puisque 90% des forces qui ont été introduites dans Saïgon seront tuées. Et Ho Chi Minh y a mis un certain nombre d'éléments importants, avec des cadres solides, retaillés, qui ont été tués. Et pourtant, cette bataille-là est une victoire politique et médiatique pour Ho Chi Minh, qui l'a construite comme cela. Pourquoi va-t-il à Saïgon ? Parce que qui se trouve à Saïgon ? Les journalistes. Donc, il va offrir aux télés, notamment américaines, les images au plus près de chez eux. Il sait très bien comment la presse fonctionne. Donc, tous les journalistes sont dans les grands hôtels à Saïgon. L'événement est à leur porte. Et donc, les Américains vont être submergés d'images qui montrent que, alors qu'on les bassine depuis des mois et des mois sur le fait que la menace communiste est contenue, que le Nord-Vietnam se fait matraquer, etc., là, dans un bastion normalement tenu par le Sud-Vietnam et par les Américains, ces forces viennent défier cette puissance. Et la presse ayant à l'époque une très très grande liberté de manœuvre, ces images vont se déverser à l'heure du dîner dans les chaumières américaines. Et les historiens estiment que, en quelque sorte, d'une certaine façon, la perte de la guerre du Vietnam par les Américains commence là. Elle commence là parce que le peuple américain commence à se dire « Mais c'est quoi ce conflit à partir du moment où nos intérêts sont directement touchés, où finalement ces combattants qu'on nous dit être des va-nu-pieds arrivent à attaquer directement des centres du pouvoir qu'on est censé protéger ?» Donc vous avez une rupture psychologique qui est faite. Donc c'est très intéressant. Échec militaire, parce qu'en gros tout le monde est passé à la casserole du côté des combattants communistes, réussite politique et médiatique. Je vais vous prendre un autre exemple à partir d'un grand réalisateur soviétique que peut-être peu d'entre vous connaissent, qui s'appelle Roman Karmen, qui est un réalisateur, un cinéaste de talent, qui a mis son talent au service de la cause communiste, et qui, de la guerre d'Espagne à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre de Corée, à la guerre du Vietnam, va mettre son talent de cinéaste au profit de l'Union soviétique, et avec un talent absolument extraordinaire. Je vais vous donner un ou deux exemples pour vous montrer, là encore, comment, à partir d'événements, la construction ou la reconstruction de l'image va permettre d'avoir, à l'époque peut-être pas encore mondialement, mais très largement à travers la planète, un impact qui va complètement démultiplier un succès militaire sur le terrain. Alors, ceux d'entre vous qui s'intéressent à la guerre d'Indochine versus française, et notamment à la chute de Diem Bien Phu, vous savez que très souvent, quand il y a des documentaires sur Diem Bien Phu, on voit à peu près toujours les mêmes images, notamment de la chute, qui sont des images qui ont été refaites par Roman Karmen, avec les combattants français de la garnison, qui ont été maintenus sur place, et quand on voit les images de Bodoy par vagues successives qui déferlent, c'est une reconstruction juste après la bataille, avec des soldats français contraints de sortir les mains en l'air, etc., mais qui sont des figurants d'une reconstitution de façon à magnifier la victoire du Nord-Vietnam sur la puissance coloniale française. Donc ça, c'est un premier élément. Vous avez toujours ces images qui sont présentées, donc avec beaucoup de talent, c'est très réaliste, c'est fait in situ, quasiment à chaud, et ça permet de véritablement donner à cette victoire de Diem Bien Phu un impact médiatique, politique, psychologique considérable. Mais Roman Karmen a fait mieux que cela. Si vous revoyez des documentaires sur la chute de Diem Bien Phu, vous noterez, ou peut-être que vous l'avez noté déjà, quelque chose d'assez particulier. Vous avez une prise de vue assez en hauteur
sur une partie de Nien Bien Phu, où on voit les soldats français de la garnison qui sont prisonniers défiler. Mais si vous regardez bien, ils défilent d'une façon assez curieuse, ils défilent en S. Alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils défilent en S, puisque le terrain est absolument libre, il y a une route qui est toute droite, ces soldats prisonniers pourraient parfaitement, face à la caméra, défiler en bloc. Hein, mais Roman Carmen, qui a positionné sa caméra sur un mirador, a contraint les soldats français à défiler avec ce mouvement de S. Et en fait, avec une focale très large et ce mouvement-là, l'image est impressionnante, car vous n'avez pas le sentiment que c'est la garnison française de Dien Bien Phu qui est tombée, vous avez le sentiment que c'est toute l'armée française qui est prisonnière. Parce que le mouvement en S donne une impression de masse de soldats que vous n'auriez pas si vous aviez les soldats alignés qui a tendance à écraser l'image. J'en sais quelque chose, puisque je commente le 14 juillet sur France 2 avec Marie Drucker. Là, on a un défilé impeccable, et c'est pour ça qu'on a des prises d'images très très différentes. Sinon, on écrase les différentes unités, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mouvement en S. Donc, c'est Roman Carmen qui l'a inventé. Et cette idée lui vient de loin. Là, c'est pour ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, en tout cas après la chute de Stalingrad, Staline décide de faire défiler dans les rues de Moscou, dans la principale artère de Moscou, les restes de la 6e armée de Paulus, dont vous avez plus de 200 000 hommes, parce qu'il n'y a pas que l'armée de Paulus, de façon à les faire défiler, cette armée victorieuse en juin 1941 avec l'opération Barbarossa, et qui est délitée. Et donc, Staline veut les faire défiler dans les rues de Moscou pour montrer sa puissance et le début de la fin du Troisième Reich. Donc, c'est organisé, et il demande à qui ? Il demande à Roman Carmen de filmer, parce que ça ne suffit pas de faire un défilé pour que les moscovites se rendent compte de la puissance du maréchal Staline. Il s'agit de transformer cet événement en outil de communication, d'impact psychologique. Et il dit à Roman Carmen, je veux que tu filmes cela. Et c'est là où Roman Carmen, profitant des artères très larges, invente le défilé en S. Le premier défilé en S, il est fait faire aux soldats de la Wehrmacht qui défilent avec ce mouvement de façon à, dans toutes les actualités qui sont diffusées en Union soviétique et ailleurs, à montrer que ce n'est pas la 6e armée qui est prisonnière, c'est toute l'armée du Reich qui est prisonnière des soviétiques. Détail, pardonnez-moi, un peu scabreux, mais qui montre comment, quand se construisent des manœuvres, des manips psychologiques, le détail est important, ces soldats allemands ont été privés de nourriture pendant 2-3 jours. Donc, en gros, les 200 000 soldats qui doivent défiler, ils n'ont pas mangé pendant 2-3 jours. Et juste avant de les faire défiler, les Russes leur donnent une soupe qui a la particularité de créer des diarrhées violentes. Donc, on leur donne cette soupe, on les fait défiler, et la caméra va s'attarder sur quoi ? Sur le fait que derrière cette armée de vaincus, il ne reste, pardonnez-moi, qu'un lit de merde. Donc ça, le Moudjik, qui a la chance d'aller à un endroit où les commissaires politiques vont passer les images. Pas la peine de lui faire des grands dessins, des grands discours. Il voit une armée absolument dépenaillée, généraux en tête, et derrière elle, cette armée, elle laisse quoi ? Cette armée victorieuse qui devait écraser la Grande Russie, elle laisse de la merde. Donc, on a là, et les exemples, je pourrais les multiplier, mais je préfère en venir à l'actualité plus contemporaine. Vous voyez bien qu'on a, à partir d'événements réels ou reconstruits, une possibilité, dès lors que vous avez analysé le champ psychologique dans lequel vous allez intervenir, c'est un peu comme une méthode de raisonnement tactique appliquée à des armes qui ne vont pas être des armes d'appui ou de soutien ou de feu, mais qui est là, comment vous combinez un certain nombre d'outils pour toucher les esprits, pour casser le moral, hein, et pour déjà anticiper sur ce que vous espérez être une victoire finale. Vous voyez quand même, la construction, c'est assez astucieux, et pour ceux que ça intéresse, allez voir sur Internet les films qu'un réalisateur qui s'appelle Patrick Barberis, qui intervient souvent avec moi à l'école de guerre pour sensibiliser les officiers de l'école de guerre à ces questions-là. Patrick Barberis a fait beaucoup de films
sur ces thématiques-là, et notamment sur Roman Carmen. C'est absolument passionnant. Alors, voilà, donc l'histoire, bien des exemples qui montrent qu'encore une fois, depuis longtemps, on sait qu'on peut peut-être perdre une bataille, mais qu'on peut gagner une guerre psychologique ou médiatique ou politique. Je ne m'étendrai pas sur la guerre d'Algérie, gagnée militairement, perdue politiquement.